Dear members of the committee, may we now proceed to examine the question of observers. I now invite the secretary to give us some background information on this item. Madame Cécile, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Ce point est un exercice annuel requis par votre règlement intérieur aux articles 8.1 à 8.3. Le règlement intérieur, les articles 8.1 et 8.2, décrivent les participants qui sont admis automatiquement comme observateurs. Ce sont les États parties. Il y en a 224 qui sont présents dans cette session. Les États non parties, mais qui sont membres de l'UNESCO, qui sont 5. Les membres associés de l'UNESCO, les missions permanentes d'observation auprès de l'UNESCO, ainsi que les représentants des Nations Unies, des institutions du système des Nations Unies. Tous ces gens-là n'ont pas besoin, toutes ces institutions n'ont pas besoin de demander le statut d'observateur, ils l'ont de droit. L'article 8.3 prévoit que des organisations intergouvernementales autres que celles que je viens de mentionner à l'article 8.2 et d'autres organismes et personnes physiques peuvent être admises comme observateurs si elles en font la demande écrite. Et en date d'aujourd'hui, deux organisations ont demandé par écrit à assister aux futures sessions du comité comme observateurs. Il s'agit de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, l'ALEXO, qui demande d'être admise comme observateur aux 11e, 12e et 13e sessions du comité. Et je vous rappelle que par la décision 4 comme 4, elle avait été autorisée à participer aux 5e, 6e et 7e sessions du comité. Et puis, une autre demande qui nous provient du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, le CERD Otola, qui a demandé à être admis comme observateur aux 11e, 12e, 13e et 14e sessions du comité. Le secrétariat a donc introduit leur nom dans le projet de décision que vous voyez à l'écran. Pour votre information, le document ne fait pas mention de la participation des ONG accréditées auprès du comité, parce qu'elles sont automatiquement admises comme observateurs aux sessions du comité, conformément à l'article 6 du règlement intérieur. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Madame Secretary. I would like now to open the floor if any member of the committee would like to take the floor on what Madame Duvel has just presented to us. I see no request for the floor. Please, let's move on to the decision. And please refer to document 3 and its draft decision in paragraph 4. We have it on the screen. May I ask the committee to adopt draft decision 10, com 3 as shown on the screens? Seeing no objection, I declare decision 10, com 3 adopted. Thank you so much. Good.